c'est une occasion qui m'a trouvé à Saint-Louis pour venir au nom de notre coordonnateur général Birahim Seck, qui devait présider cette réunion d'aujourd'hui. Et surtout heureux parce que bon, voilà, le PGO, je représente le Forum civil dans le comité national PGO, qui est le partenariat pour un gouvernement ouvert. C'est une initiative de co-création entre la société civile et l'administration au niveau mondial. C'est vraiment paritaire, c'est-à-dire que la société civile avec l'administration se mettent ensemble pour concevoir les politiques publiques. Donc le Forum civil, étant membre du PGO, a trouvé, peut-être Michel Ndao reviendra dessus, à travers un de ses programmes, a trouvé le moyen de capaciter à travers toutes les régions du Sénégal, l'administration et la société civile sur les enjeux de transparence, notamment dans le secteur extractif. C'est pourquoi aujourd'hui le thème porte sur les revenus tirés des secteurs extractifs. Donc voilà, c'est juste voilà, à cette occasion que je viens participer à cette rencontre. Monsieur Diop, et vous, tantôt vous me permettrez, à travers M. Souleymane Diop, directeur de la Prime, de remercier M. le gouverneur de région qui a facilité vraiment la tenue de cette rencontre. Parce que vous savez, je ne sais pas si vous étiez là, quand nous élaborions le deuxième plan national du partenariat, nous avons fait le tour des régions. Et dans toutes les régions, on désignait deux délégués, un de la société civile. Je pense qu'au niveau de Saint-Louis, c'est M. Diop et M. Tall du Forum civil qui représentent le PGO. Donc c'est l'occasion, parce qu'il nous a été reproché dans le premier quorum de ne pas associer les régions. Donc nous essayons de rectifier. Et donc vous savez, comme là, nous entrons dans l'ère de la production des hydrocarbures, donc capaciter toujours les populations à connaître, parce que M. Diop l'a dit, pour se battre pour ses droits, il faut d'abord connaître les mécanismes. Et c'est en ce sens qu'on essaie d'expliquer les divers revenus tirés de cette exploitation, que vraiment on a un expert en la matière, M. Demba Seydi, qui ce matin avait l'occasion de vraiment expliquer aux participants ces divers types de revenus.